Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu ici. Alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'arrive pas souvent. Déjà de faire des vidéos ça m'arrive pas souvent, mais alors là elle est comme ça c'est encore plus rare parce que là je vais vous parler d'un manga papier. J'ai acheté récemment les deux premiers tomes de Clevates. Voilà. Voilà. Alors vous allez me demander ce que c'est Clevates. Eh ben. Pour ça, j'ai récupéré. Alors là, je suis en total impro, je vous le dis tout de suite. Pour ça, j'ai récupéré une petite bande-annonce qui avait été faite par Kiyun à la sortie du Thomas. Il y a de cela quelques mois maintenant. Et je vous laisse savourer. C'est parti. Le puissant démon Clevates est dérangé dans son antre par une troupe de héros venus l'éliminer. Il se heurte à la puissance de la créature et provoque sa colère. Pour punir leur orgueil, Clevates contre-attaque et entreprend d'anéantir l'espèce humaine. Mais un bébé retrouvé dans les décombres remet son projet en cause. Et si la survie de l'humanité ne dépendait que de cet enfant? Découvrez Clevates, le nouveau manga de Dark Fantasy des éditions Kiyun. Voilà pour ce petit tome de Clevates. Alors attendez, je remets quand même la musique. Est-ce que c'est bon là? Ouais, ça va être bon. Je sais pas. J'ai pas de retour. C'est catastrophique. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Vas-y, on va laisser comme ça, peut-être. Donc, Clevates, c'est de la Dark Fantasy bien vénère. Voilà, c'est ce qu'on aime, hein. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que c'est une certaine personne. Alors, est-ce qu'on va... Ouais, on va le voir si je massacre ma scène. Allô? Maman, Bobo? Ah, merde! Non, j'ai pas massacré. Ah, des erreurs de débutant. Attendez. Wow. J'ai pas massacré la bonne scène. Voilà. Normalement. Là, on me parle. Voilà. Là, vous voyez, là. Là, vous voyez, là. C'est qui, là? C'est qui, là, le mangaka, là? Yuji Iwara. Et là, vous connaissez. Et là, normalement, si vous êtes avec un minimum de culture, vous connaissez. Yuji Iwara, évidemment, c'est un crack absolu, l'auteur du Roi des Ronces, l'auteur de Dimension W, notamment. Il a dessiné aussi pour Darker than Black, l'espèce de série en 4 tomes. Voilà, c'est mieux. Et c'est vrai que je suis un fan absolu, complet, total de ce qu'il propose de manière générale. Et je suis passé complètement à côté de Clevates à sa sortie. Genre aucune news, j'ai rien vu passer, c'était une catastrophe. C'est parce que j'avais lu Coyote Mag et alors j'ai la voix défoncée, hein, c'est normal que je. Et c'est vrai que Coyote Mag, ils m'ont régalé. Ils m'ont régalé parce que franchement, je feuillette comme ça, juste pour voir, tu vois. Et je me dis, mais attends, ça a l'air stylé ça. Et là, je vois le nom Yuji Iwara, j'étais sur Amazon, commandé les deux tomes, hop, fini. Surtout que le tome 2, alors le tome 2, je vais quand même vous l'afficher, le voilà. Le tome 2, il est sorti au mois de août. Il est sorti au mois d'août. Donc c'est très récent. Toute façon, les deux tomes sont très récents. Et déjà, ils sont très jolis. Alors oui, le cadre ne change pas. Il n'y a que l'image qui change par rapport aux deux tomes. Vous pouvez le voir, je vais vous faire des petits allers-retours si vous voulez. Hop, vous voyez. C'est le cadre avec les cristaux rouges ne change pas. En fait, c'est juste l'image au centre qui change. Mais la particularité, c'est que c'est en. Que je pourrais dire. Ça brille. C'est comme les tomes de Dimension W, mais en pas fluo. C'est pas que c'est fluo, c'est juste que ça brille vraiment. Et vraiment, c'est sympa, c'est joli. Tout ce qui est rouge, ça brille de fou. Je vous laisse aller sur mon Twitter si vous voulez pour voir. J'avais posté une vidéo des deux tomes. Ouais, une vidéo des deux tomes que je fais briller un petit peu. Et c'est vrai que ça rend pas mal. Faut fouiller un peu sur le Twitter parce qu'il s'est passé, s'est passé des trucs depuis. Mais voilà. Et donc, ouais, j'avoue, j'ai bien kiffé ma race. Alors attendez, ce qu'on peut faire, c'est remettre. Voilà, on va remettre. Hop, on va remettre ça comme ça. Alors, j'ai bien kiffé ma race. On peut regarder vite fait un petit peu comment c'est dessiné. Vous voyez quand même que c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du fiac, tu vois. Et Clevates, voilà, c'est lui. C'est une sorte de démon qui vit tranquillou pilou chez lui, tu vois. Sauf qu'un jour, il y a des petits connards
qui décident de, voilà, eux, en l'occurrence, qui décident, venez, on lui casse la gueule et on prend son territoire, tu vois. Alors, Clevates, elle est en mode PTDR, t'es qui? Et c'est parti que ça va se friter très très vite. Et pas de bol, bah ils s'en sont pas pris à la bonne personne, quoi. Parce que comme vous allez le voir, voilà, ça part très très vite en cacahuète. Et évidemment, les envahisseurs, surprise motherfucker, comme on dit, hein, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et après, Clevates, elle était vénère. Hein. Je vais pas vous spoiler tout le bouquin non plus. En tout cas, le tome 1. Mais après Clevates, voilà, là c'est la capitale, ma sœur. Là voilà, ça va être une catastrophe. Là voilà, Clevates pop dans la capitale et a détruit toute la capitale de ceux qui ont voulu l'envahir, en gros. Coupant quelques têtes au passage. Donc évidemment, c'est de la dark fantasy, il va y avoir des trucs bien vénères et c'est Yuji Iwara qui dessine. Donc de base, c'est vénère. Voilà, donc. Si, voilà. Et donc du coup, dans les décombres de cette capitale, il va trouver un enfant. Donc cet enfant va lui demander de prendre soin d'un bébé. Clevates va dire, ben non, ben non, juste non. Et elle va réussir à l'enfant va réussir à le convaincre de prendre le gamin en lui disant, si ce mec tu estimes, si ce bébé tu estimes qu'à l'avenir il deviendra un danger pour toi, bah vas-y frérot tue-le, mais je te jure que non quoi. En gros, voilà, j'abrège. Et donc Clevates il dit, ok, de toute façon je suis giga immortel de fou, donc à la limite, je peux bien prendre un peu de temps pour voir ce gamin grandir, et voir un petit peu ce qu'il devient, et si ça me plaît pas, bah, je le dézingue, tu vois. Et le pire, c'est qu'il a dit ça, il a dit je dézingue le gamin, mais je dézingue l'humanité entière. Donc là, c'est quand même un peu tendax. Et des démons comme Clevates, vous verrez plus tard, mais il y en a plusieurs. Il y en a peut-être 4, 4 ou 5. Voilà. Et ils ont tous, à la base, quand même, c'est pas trop les copains des humains, tu vois. Surtout que Clevates, ils ont voulu envahir son territoire et c'est pas passé inaperçu aux oreilles des autres démons. Et donc Clevates, qui a donc à la base cette espèce de forme de chien avec une corne ou deux cornes ou trois cornes, on sait plus trop, ben il va essayer d'élever le gamin, donc c'est pas évident, voilà. Je vous dis rien d'autre, mais vous allez voir que c'est pas évident. Disons que c'est un gamin, hein, faut changer les couches, faut lui donner à bouffer, bref. Pour Clevates, c'est pas évident. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la forme du personnage, de l'enfant qui est au-dessus, là. Il va se déguiser en lui, en fait. Après que lui soit mort, évidemment, il est mort, il est sous les décombres à ce moment-là. Et vous allez voir tout de suite. Voilà, il prend sa forme. Là, c'est Clevates qui prend donc la forme de l'enfant qui avait le bébé au départ dans les décombres. Et c'est comme ça que part le postulat avec donc Clevates qui est juste là pour élever cet enfant et voir un petit peu ce qu'il devient. Voilà. Donc vous voyez, c'est sorti le 2 juin, le tome 1, le tome 2 est sorti au mois d'août. Donc pour l'instant, on n'a pas un énorme écart entre le tome 1. Qu'est-ce que tu fais, toi, le chat? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Bah c'est pas de bol, je suis occupé. Ah. Le chat a faim. Oh, la catastrophe. Bref. Voilà. Donc, vous voyez un peu les bails. Le tome 3 et le tome 4 sont déjà sortis au Japon. Voilà. Donc, autant te dire que déjà, c'est minimum 4 tomes pour la série. Je pense que ça va aller dans les 20 tomes. Voilà. Je pense qu'on va faire un truc comme Dimension W à peu près. Donc ça peut aller sur 15 à 16 tomes. Et évidemment une adaptation animée qui arrivera d'ici 3-4 ans. Je vous le dis tout de suite. Je vois l'avenir. Hein. Je vois l'avenir, mais ça c'est sûr. Hein. C'est le genre de truc qui se vend, la Dark Fantasy. Voilà, il suffit de voir Harry Foreta par exemple. Je l'ai commencé. J'avais commencé le manga Harry Foreta il y a déjà un petit moment.
Et ça s'était très très bien passé. Et je m'étais dit, ce serait bien que ce soit adapté en animé. Mais j'y croyais pas, tu vois. Et ça a été adapté quelques années plus tard, parce que j'ai découvert vraiment il y a longtemps. Et c'était très bien. Et là, Clevates, eh ben, je vous le dis tout de suite, ce sera adapté. Voilà. Parce que Yujiwara, déjà, il a adapté. Techniquement, il a adapté quoi? Il a adapté que Dimension W. Parce que Darker Than Black, c'est pas de lui. Il a juste dessiné une série de 4 tomes. Hein, il s'en fout, tu vois. Mais voilà, c'est sympathique. C'est sympathique. Mais je vous conseille vraiment Clevates. C'est juste pour ça que j'ai fait cette vidéo, vous dire d'être curieux vis-à-vis de cette série. Parce que ça a le mérite. Et puis le chara-design. On n'en parle pas assez, mais putain, Clevates, elle est stylée. C'est infini. Alors je vous laisse découvrir qui est le personnage à droite du tome 1, que vous voyez, ou qui est tout simplement le personnage aussi du tome 2. Voilà, c'est la même personne. Je vous laisse découvrir qui c'est. Moi, je vous dis à la prochaine. Alors, je pense pas en faire tous les 4 matins ce genre de vidéo. Parce que je découvre pas des mangas tous les 4 matins, je vous le cache pas. Pas en format papier, en tout cas. Mais voilà, si vous voulez discuter un peu de ce manga, me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, ou si vous l'avez. Je sais pas. Si vous en avez la curiosité. Si vous avez la curiosité de le lire grâce à moi, n'hésitez pas à le dire aussi. Et puis je vous laisse. Ouais. Voilà. J'ai pas vraiment de transition, je t'avouerai. J'ai fait cette vidéo un peu à la pisse. Mais pas de soucis. Voilà. Allez, ciao. Et puis à la prochaine. Bye.